Mark Wahlberg est aujourd'hui une figure incontournable du cinéma hollywoodien. Cependant, avant de devenir la star du 7e art que l'on connaît, l'acteur a eu un passé tumultueux marqué par des problèmes avec la justice. Il figure parmi les acteurs incontournables de la scène hollywoodienne. Mark Wahlberg a commencé sa carrière artistique en tant que rappeur sous le nom de Marky Mark, avant de se tourner vers le cinéma. Il se fait remarquer dans les années 90 avec son rôle dans Boogie Nights, où il incarne un acteur de film pour adultes. Ce film lui ouvre définitivement les portes des Hollywood et lui permet de décrocher des rôles dans des productions de renom. Parmi ses succès notables, on compte d'ailleurs The Departed, The Fighter, et les comédies Ted et Ted 2. À côté, Mark Wahlberg est également producteur de la série à succès Entourage, inspirée de sa propre vie. Ce dimanche 2 juin, il est à l'affiche des Uncharted, sur TF1. Un parcours exemplaire pour de nombreux fans de cinéma. Néanmoins, bien avant de connaître la gloire, l'époux de Rhea Durham a eu une jeunesse troublée. Élevé dans un quartier difficile de Boston, il est rapidement impliqué dans des activités criminelles. Dès son adolescence, il cumule les délits, allant du vol à l'agression. À 16 ans, il est arrêté et condamné pour avoir violemment attaqué deux hommes d'origine vietnamienne, un acte motivé par des préjugés raciaux, selon la justice. Cet incident marque un tournant dans sa vie. Mark Wahlberg condamné à purger une peine en prison. Mark Wahlberg a été incarcéré en 1988 pour son rôle dans une série d'agressions racistes. Lors de ces incidents, il a agressé deux hommes vietnamiens, provoquant de graves blessures. Ces actes de violence ont conduit à sa condamnation pour agression et tentative de meurtre. Il a été condamné à 2 ans de prison, mais n'a finalement purgé que 45 jours derrière les barreaux. Cette période d'incarcération a été un moment déterminant pour Mark Wahlberg. Après sa libération, il décide de se ranger et de changer de vie. Il quitte les activités criminelles et se lance sérieusement dans une carrière artistique. Un choix qui a porté ses fruits.